Hello tout le monde, c'est d'abord, on se retrouve aujourd'hui sur Dofus pour un nouvel épisode de l'aventure solo avec Zaphir, la petite aide de trompette de niveau 30. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir notre steak de boissons, simplement, ça va être très intéressant. Non, mais on va faire du gros farming de poissons, puis c'est tout. Voilà, parce qu'il faut bien, et du coup, s'il faut bien, on le fait. On ne branche pas. Alors faut que je regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec les poissons. Parce que peut-être comme ça. Peut-être qu'on peut faire un truc incroyable. Waouh. Super. Ça. C'est super aussi. Oh, quoi que c'est. Ouais. Peut-être être bricoleur à remarquer. Ça peut être. Pourquoi pas. Mais bon, c'est très bricoleur, pas non plus 50 000 trucs à faire avec quoi. Ah, ok, la truite c'est le truc le plus utile au monde. En fait, pour être pêcheur, faut juste vendre les trucs par 100 pieds tout, pour les aider. Bon, ça c'est très utile. Les crabes sont ennemis. Non, pas lancer la recette, du coup, on s'est pas soucié. On peut faire un bar grillé de super. Oh là, un souvenir vidé. Et le poisson pané, qu'est-ce qu'on peut faire avec enfin, rien. Et le goujon. C'est le goujon quand même, le goujon. Ok. Donc c'est super. Bon bah. On avait déjà été voir le goujon et. Je me rappelle plus, c'est bon, c'est pas de ma faute. Donc bah du coup je sais pas, pour l'instant on va juste vendre nos poissons par 100. Puis après on verra pour d'autres métiers, pourquoi pas, non pourquoi pas j'en sais rien en fait, on verra bien. Non déjà poissonnier ça sert à rien donc je ne pense pas prendre un poissonnier même si la logique voudrait que le pêcheur soit poissonnier mais ça sert tellement à rien, ça fait peur. Donc là vous êtes certainement vont vous dire mais où est-ce qu'il va ce petit con? Il va pêcher ce petit con parce que faut bien pêcher. Alors je crois que c'est par là hein, qu'il y a des trucs pour pêcher, voilà. Petit poisson de rivière. Oh là là. En fait il y a pas mal de. Ah ouais, c'est cool, on peut... Ouais mais c'est des poissons de merde ça qui est là je crois. Je sais pas. Je sais pas ce que ça peut être comme poisson de vie. Ah bah c'est du goujon. Oh bah. Parfait, alors on est parti pour rester là. Plutôt très longtemps j'ai envie de vous dire. Ça va être super. On va bien se marrer. Désolé hein, si je laisse des blancs, mais c'est de l'autre côté, il n'y a pas grand chose à dire. Même vous voulez qu'on se lance dans un débat politique. Ce qui serait fort. Fort passionnant, j'imagine. Fixe bien les tofu quand même. Ouh, c'est pas de la rigolade. Ah mais j'ai que c'est que j'ai eu XP foiré aussi, c'est vrai. D'ailleurs je sais pas pourquoi il y a certainement d'explication parce que je. Ah non je me rappelle même plus pourquoi j'ai pas supprimé mon autre personnage. Peut-être que je l'ai certainement dit dans une précédente vidéo. Oui, peut-être parce que non je sais même pas beaucoup. Si voilà si, c'est peut-être parce que je suis automatique avec mais c'est peut-être bien ça. Enfin bon. Tac. Tac, elle va pas te faire gros par le chaman. Enfin même si je pense que tout ça. Ouais, c'est quand même coriace hein ces merdes. Ouais ouais, écarte-toi. Enfin même si je pense que tout seul on pourrait peut-être l'avoir. Quand même vachement coriace, c'est. Je crois que c'est la pire saloperie du monde quoi. Qu'il puisse avoir. Vous payez un groupe de 8 chamans, putain. Un perso niveau 5, j'ai rien, je peux vous dire. 8 chamans. Bon, si y a pas. C'est un crafeux, peut-être. Les flèches explosives, y'a plus personne, mais. Et encore, à chaque fois, ils sont bien dispersés sur toute la map, donc c'est vraiment.
C'est vraiment de la merde, hein. Vraiment de la grosse merde. Est-ce que vous voulez qu'on s'entende, hein? Parce que finalement, j'ai bien envie de taper sa gueule dans ce bâtard. Ah, je sais pas. Ouais, non. Pas fou. Comme c'est qu'ils sont au milieu de la route, ces bâtards, donc. Et que je veux forcément aller là. Ce qu'on va faire, on va. Ouais, mais. Non, c'est pas très RP de faire ça. De toute façon, ça sert à rien. Okay. Bon, écoutez. En fait, ce qu'on va faire pour donner un petit peu d'action à cette vidéo. Hop. Je pense que... Non, j'ai même pas un équipement pour cela. Un équipement rapide, je veux dire. Donc, on va s'équiper à la main, n'est-ce pas? Wow, beau gosse. Et on va directement se lancer dans ce terrible combat contre ce chaman dégoûtant. Il passe devant nous de manière avec beaucoup de dédain. Ouais, super, on l'éclate déjà. Ok, donc si je fais ça. Très bien, il a l'air costaud le bonhomme. Bon. Là, on va placer un petit. Oui, parce qu'il faut que je calcule, parce qu'avec un héliotrope, c'est vrai que. Si on en place un là. Et voilà, bon, je sais que je ne touche pas, mais il faut bien que je. D'accord. C'est tout à fait trop bien ce que j'ai fait là. C'est n'importe quoi. Oh putain, je l'ai même pas. Bon. En fait, clairement, je suis vraiment très bien pour moi. Je réapprends à jouer sur un. Oh, mais ça, mais non, mais ça, mais. Oh, oh là là, mais si on se fait gérer par cette merde. Tac. Hop. Merci et au revoir. Et là je peux pas genre faire ça comme ça et. Oh non! Oh bah non, c'est pas chouette. Bon bah tant pis. Voilà. Ah bah non, ça va. Oh, je prends pas trop bien. Enfin bon. Si je fais ça, forcément il arrive de l'autre côté. Oh le bâtard. Alors que par contre, si je fais ça. Oh. Faut pas le prendre pour un con, Gugus, non plus. Alors pourquoi je dis ça, j'en sais rien. Mais... Bon, vous êtes très bien. Comme ça, hop. Là, je me bats complètement. Neutral, neutral, neutral. Hop. Mais non, mais vas-y, mais. Mais voilà, bâtard, mais allez, dis-toi. Parce que. Il se barre avec. Si, par exemple. Là ça va être le dernier, du coup si je le mets ici, je me tiens là. D'accord, tout à fait. Bon, je vais arrêter de faire le con, je vais le faire gérer, mais il faut vraiment que je joue un petit peu plus tard. Parce que oui, là c'est bien parti pour que je me fasse gérer en fait. Hey, super. Quand je vous dis que c'est de la merde, c'est putain de truc à la con là. Alors, que faire? J'en fous un là. Je m'en vais là-bas, hein. Droit au fusil, n'est-ce pas? Chouette. Allez, mourons gaiement. Ah bah, c'est dur quand on sait pas jouer et qu'on se tape des groupes. Bah, en plus, il était tout seul. Oh là là. Quand je vous dis que c'est vraiment de la pourriture, ces mobs. Enfin bref, du coup, on aura bien perdu du temps. Hein, on aura pêché 3 poissons. C'est super. En plus, ça vous empêche d'avancer et tout, putain. Mais... Oh, la saloperie, ces mobs. Tu remets ton sac. Tu enlèves ce chapeau qui est fort ridicule. Quand tu remets ton sac, j'ai dit. Et là, t'as trop la classe. Je vais à l'école avec un bouclier. C'est un plat pour faire des trucs. Voilà. Enfin bref. Et du coup, si je passe par là en fait, je vois plus trop où est-ce que ça mène. Je crois que ça mène directement à la. Non, je sais pas. Je me rappelle plus. Bah, je sais qu'il y a un truc, c'est plus raccourci que l'autre, je crois, mais. Je suis même pas sûr. Bon, je sais pas. Écoutez. Ah bah c'est cool, on arrive. Ok, c'est parfait, par là en fait.
J'ai bien fait de régler là, parce que là, il n'y a pas de chaman aussi, donc c'est très très bien. Pourtant, c'est des souterrains profonds, mais... Peut-être juste de la chance. Enfin bref. On va donc continuer à pêcher nos petits poissons. Hein. Le poisson. Le tonneau qui bouge de manière totalement incroyable. Surtout que c'est censé ne pas y avoir de courant. Donc bon. Hop, pas oublier les poissons. Jamais oublier les poissons. Tous les pêcher les poissons. Il y en a plein. Oh mais non mais vas-y bâtard, j'ai un gros comme ça. Je vais pas dire qu'on va mourir mais tant pis si on s'approche. Et je suis sûr elle va passer comme ça. Enfin bref. Là à droite c'est la salle où il y a le espèce de rat bizarre là pour un truc. Enfin vous verrez bien. Je crois. Là tout de suite il y a du suspense. Perso j'aurais quand même peur d'aller pêcher là. Ça donne pas forcément envie hein. Plus c'est bien parce qu'on pêche du goujon, de la truite et c'est chic pour le goujon. Du poisson ça se tombe aussi je crois. Oh putain ils sont juste derrière. Oh. Bande de bâtards. Là, c'est la salle avec un truc tout moche là. Putain, est-ce qu'il est gros? Oh putain, j'espère pas qu'il est gros. Est-ce que si on se barre par là? Oh putain, il est gros. Bon, bon là, c'est bon, rassurez-vous, on gère, mais c'est que bon. C'est un monstre que nous devons affronter ultérieurement. Du coup, bah tout de suite, il n'y a plus de suspense quoi. Hop, enfin on gère, il tape fort quand même. Mais bon, on gère. Tac. Hop. Hop. Plus que 4 secondes déjà, j'ai rien de fuck. Vas-y, forcément, j'ai pas le temps de faire neutral, bah oui, toi. Mec qui fait ta cave. Alors, parce que du coup, oui. Mais pourquoi 4 secondes? Ah oui, ok, non, mais c'est un combat qui est. Qui est hyper vite. Pas pour... Putain, pourquoi j'ai des bombes là pour jouer mon tour à chaque fois. Ok, ça fait qu'un bon bug. Tape fort le bâtard. Voilà, heureusement que j'ai critiqué un peu plus parce que sinon j'aurais presque eu peur. Au moins elle est tranquille hein, pour 10 secondes. Et où est-ce qu'on peut les avoir ces poissons alors? Ils sont pas genre un peu inaccessibles? Ah si non mais c'est qu'en fait j'ai pas ma canne à pêche aussi. Donc. Ah mais de toute façon il y a des cannes à pêche qui sont plus loin, c'est vrai. Oh oui, c'est ça. Hop. Bon, de toute façon ils sont très accessibles comme ça. Hein. Je vois pas pourquoi, en quel honneur nous achèterions une canne à pêche à des milliards de camas tout simplement pour aller pêcher. Des goujons dans les souterrains. Oh là, petite étoile, là. Deux étoiles même. Par contre, on peut pas voir. On peut pas voir si la case est sélectionnée. C'est un peu con, ouais, je trouve. J'aime bien pêcher du goujon. J'aime bien pêcher du goujon. Les gars, c'est qu'on a des trucs de 100 par 100 goujons. Là. Alors du presque 10 000 km hein, je... Quoi 10 000 km? Putain ça vaut cher de merde. Ça vaut combien les truites? Ah oui, okay. Moins cher d'être. On XP plutôt vite. Bon, c'est... Voilà. J'espère qu'on sera bientôt niveau 20 pour pêcher les poissons normaux dans l'eau, dans la mer. Mais c'est vrai que sinon c'est plutôt très restreint. Hein. Et deux étoiles là, l'idée ce serait que j'ai 8 poissons d'un coup. Garçon d'espoir, dites-moi. Bon, il y a un quart d'heure.
pense par contre vraiment que le prochain je le fais sans. Hop. Je le fais sans, sans record parce que vous pouvez vous faire chier, mais de fou. Parce que ouais, franchement là. Ça doit pas être très intéressant, regardez. Ah, c'est un goujon, oui. J'ai dit putain, il y a un truc vert bizarre là. Alors toi, je te fous, si tu m'agresses, tu t'éclates. Voilà, sois sage. Là, nous revenons dans cette salle. Où un poisson est réapparu mystérieusement. Nous lui faisons alors sa fête de manière joyeuse. Pour les poissons géants, 70, c'est gros poisson quand même. Hop. On est déjà à 27 goujons, ça va vite. Hein. Le goujon, je peux vous dire, il va vite. Hein, le goujon, il va vite. Ce qui est bien au moins dans les souterrains, c'est que bon, l'atmosphère est plutôt pourrie. C'est pas très joli tout ça, mais au moins on n'est pas dérangé par le monde. Hein. Enfin, pourtant d'habitude il y en a du monde, mais là, là il y en a pas. Désolé, j'étais en train de m'insérer car ma souris allait tomber. Terrible. Où il était caché lui. Ça se cache les poissons, une fois ça se cache. Ce serait cool qu'on puisse accéder à elle. Genre, bien. Un petit easter egg, genre. On pourrait cliquer bien quelque part. Puis après, on va dans l'eau comme ça, puis ça nous fait découvrir un truc incroyable et tout. Tout est d'orque. Enfin bref. Oui, mais non. Bah, on peut pas. Mais là par contre on remonte en fait, donc que faire dans ce cas, que faire, je sais pas. On a quoi comme poisson là sur nous, à part cela évidemment? On n'a pas d'autres. Ah bah si, voilà, on a des carpe diem évidemment, et des brochets. Je vous le disais aussi, il y a des trucs bizarres, hein. Hop, ça a l'air trop cool ça. Par contre, vous, si ça vous dérange pas, je vais vous dégager. Ce qui sert à rien en fait, hein. Il me servait sur Instagram, hein. Souvenez-vous-en. Et là, il me servent plus. Donc ça, c'est des poissons de mer, ça, des poissons de terre. Blague-moi là, l'MDR. Bref, c'est cool ça, des carpes aliens. Des brochets. Moi, je dis toujours, mais c'est cool quand même. Bon alors, est-ce qu'on va pêcher... Ouais mais non, moi je veux du goujon, le goujon ça se vend bien cher, le goujon. Du coup on reste ici pour avoir du goujon. Hop, poisson de rivière. Poisson. Petit poisson. Poisson. Bon, bah c'est déjà la fin de cette vidéo, hein. Moi je vais vous dire bye tout le monde et on se retrouve dans un prochain épisode pour... pour continuer à pêcher. Alors ce monsieur m'invite dans son groupe, pourquoi pas. Bonjour. Allez, donc salut à tous, si ça vous est oui, je reformule ça. Alors bye tout le monde, si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou vert, hein, et à vous abonner. Allez, bye tout le monde, c'était Dapper. Salut. Zombie apocalypse.